très intéressant que tout cela. Un dragon. Ah non. Oh, pas celui-là. Il m'oblige à faire du recyclage. C'est dégueulasse. Mais ça pourrait être. Il faut que je trouve. C'est éteint. Stupide créature, ne voyez-vous pas à quel point mes couilles m'habitent? Ouais, vous allez le payer cher. Waouh! Je suis choqué d'alors. Ah là là! Ces prisonniers n'étaient pas des prisonniers. Ce qui veut dire que quelqu'un nous a tendu un piège. Ah là 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 là! Mais comment faire maintenant? Oh bah ils sont morts, on s'en fout. Écoute, est-ce que t'as été choqué d'alors? Moi je suis choqué qu'on me tende des pièges comme ça gratuitement. C'est irrespectueux. Et c'est pas très très gentil. Hein? Oh oh! Petit cimetière. Non mais je. Mon épée, franchement, elle fait bien plus mal. Un des 6 critiques. Ah putain, d'ailleurs, faut que je renvoie mon épée. Je ne sais même plus ce qu'elle met comme dégâts. Je ne sais même plus ce que met mon arme. Ah! Surtout que je. Ah oui, 2d6, 19, 20 x 2, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est un peu pétée. C'est vrai que je l'ai un petit peu depuis longtemps aussi. Ah, d'ailleurs, je suis toujours choqué par cette révélation. On a essayé de nous piéger. Prenez garde à ma colère! Vous êtes où? Vous êtes où? Oh, ils étaient derrière moi! Ah là là! Oh, alors, d'allant! Tac, backdash! Il a backdashé très très fort. Par contre, je prends cher dans mes dents. Dallon qui backdash, mais il a une vie qu'il a. Il a avancé. Paf. Arrière. La garde, c'est arrière. Donc, ça, c'est encore un campement. On voit très clairement qu'ils font leur petit feu de camp, leur petite popote. Hein. Il y a un cercueil. Oh, quelqu'un est-il décédé? Vais-je réveiller? Qu'est-ce que c'est? De la belladone. Oh! Oh, de la belladone et des haillons. Écoute. Mais un loup-garou. Qu'est-ce qu'une feuille contre les loups-garous? Viens faire là. Attends, stop, il y a un coffre. C'est étrange que tout cela. Tout ceci est étrange. Je suis perplexe et dubitatif. En même temps. Sinon, grosse ambiance. Je fais bien tout le tour du coffre, hein, pour bien être devant. Bon, et maintenant, faut que je longe. Je pense que ça doit être ça. La logique. Et ils ont quand même un puits. Mais du coup, là, vu qu'on est dans la lave, le puits, il n'est pas censé brûler. Parce qu'il y a. On peut pas trouver de l'eau. Ou alors de l'eau très très chaude. Ah, oh, un petit campement. Un petit campement. Non, mais ils se mettent bien. Ils vont le brûler. Ils vont vous brûler. Ah, tu es un ennemi. Attends, j'ouvre un coffre. Excusez-moi, je suis en train de vous piller. Respectez. Voilà. Je vous envoie mon acolyte.
J'ai étrangement l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Alors réfléchissons. Donc là il s'amène a priori à rien. Là où ça mène de ce côté, et ça doit mener là, qui mène sans doute à quelque chose d'autre. On va déjà aller par... non, pas par là. Par là. Merde, la porte est... Non, de l'autre côté de la porte. Enfin, le pont. La porte, le pont. Ah, il est caché derrière la porte. Je suis pris un piège à 49. Je suis mort. MDR. Pardon. Du coup, je sauvegardais quand, je sais plus. Merde, j'ai dû sauvegarder un peu loin. Ah, j'ai sauvegardé un peu loin. Ouais, j'ai sauvegardé un petit peu... Ah ouais, un peu beaucoup loin quand même. Ouais, j'ai sauvegardé loin. J'ai sauvegardé loin. Bon, bah... Non, on l'a refait, tu t'en occupes. Ah, ça se trouve, les drops ont changé. Et après, je vais juste couper l'enregistrement, faire une petite pause. Échec. Comment ça, échec? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Voilà. Excuse-moi. Ah, oui. Je m'en occupe, Dalin. Vas-y. On va leur niquer leur mère. Putain, par contre, ils sont trois. Eh, hey, mais ils résistent. Ils prouvent qu'ils existent. Voilà, si vous avez la référence, mets un pouce bleu. Résiste, prouve que tu existes. Ah, ça c'est les vraies chansons. Les vraies chansons. Oh, petite caisse. Petite caisse, petite potion. Bon, alors, déjà. Repos. Ah, les ennemis sont proches. Oui, je sais où ils sont. Allez, il faut. Voilà. Non, ici, là, voilà. Voilà, on se repose. Je fais une petite sauvegarde, une petite pause. Et on se retrouve directement après. Et à tout de suite. Paf, incroyable, on est de retour. Enfin, je suis de retour. Et je me fais attaquer. Et je me prends le classique. 41 de dégâts qui m'empêche de bouger. Du coup, bah j'attends, je bois un café et Dalin fait le travail. Moi, je bouge pas, je ne peux pas bouger, je me rappelle. Ah, ça, ah si, je peux bouger. Je ne peux pas atteindre la cible. Du coup, si je fais ça, voilà, petite attaque. Je me souviens pas qu'ils étaient aussi résistants. Aurais-je oublié quelque chose durant la dernière heure qui vient de se passer? Alors ça c'est quoi? Ça c'est un... Ok, donc en fait c'était juste pour décorer. Bah écoutez, au moins, ça c'est découvert. C'est déjà ça. Mais là, je suis complètement chaud pour terminer ce donjon d'une traite. Quitte à ce que ça prenne plus de 2 heures, je suis chaud à le faire. Là, je suis remonté. Moi, je me dis dans ma tête, il y a quand même un dragon qui va être battu. Et ça, quand même, c'est pas rien. Seulement, il faut respecter la stratégie. Stratégie qui est déjà de trouver la sphère... étrange et lance invisibilité. Voilà, ils lancent tous invisibilité pour prendre en tenaille. Ça doit être la stratégie de ces sorciers, de ces guerriers d'Ouégar. Ah, par contre, moi, ma stratégie, c'est de me soigner. Voilà. Oui. Donc, ah, il y a un roublard qui est moins fort. Quelque part, ça se tient.
Ah, il n'y a pas l'air d'avoir de suite d'étage. Mais, je suppose, j'aimais l'idée que il y a quelque chose de puissant par ici. J'aimais l'idée qu'il y a quelque chose de puissant par ici, ou bien qu'il y a un objet qui me sera utile. D'ailleurs, bon, alors, vous le voyez pas, mais j'ai complètement oublié de mettre mon timer de record. Ce qui fait que je vais devoir le faire au pif. Ou alors, je le fais maintenant, vous allez voir très vite. Alors, attention, ça va aller vite. Incroyable, vous l'avez vu. C'était les dessous des enregistrements. Normalement, je mets juste à côté de mon écran, vu que je joue en fenêtre. Incroyable, vous l'avez vu, vous êtes au courant de mes méthodes. Oula, mais il y a du magicien là, il y a du bon gros matos de magicien. Ça va, c'est plein de plats. Ne te fiche pas de moi. Ne te fiche pas de moi, sac. Regarde. Oh, magie, oh là là. Incroyable, ça rentre. Et il rentre. Incroyable. La tête de là, il y a des caisses. Des caisses. Ah non, c'est un coffre. Il y avait un piège. LOL. Un bouquin. Un bouquin. Ah. Oh. Stop, c'est qui lui? Bonjour. Ah. Il casse des espèces de stèles. Ah non. Oh merde. Lui. J'ai compris ce qu'il fait. En cassant les stèles, il invoque des trucs. Sauf que ça sert un peu plus à rien. Donc, non. Ouais, ça servait complètement à rien en fait. Je ne m'en rends compte que maintenant. Du coup, est-ce que j'ai encore sauvegardé 4 milliards de mètres trop loin? Pas du tout. Ah si, quand même un petit peu. Si, j'ai quand même sauvegardé un peu loin. Enfin, j'aurais pu sauvegarder plus près. Bon, lui. Ah là là, il s'est mis en... Et merde. Non, tu m'as pas vu. Lui. Ah, tu l'as vu. Tu te bats contre personne. Si, enfin. Tu l'avais vu, Dalin, bravo. Oh. Ouais bah comme là je prends la max. La gloire, en effet. Il y en a un là-bas. Prenez garde à ma colère. Oh, je l'ai jamais dit mais j'adore ces doublages. C'est tellement beau des doublages pareils. Donc là on est d'accord, il y a un truc. Il y a un ogre. L'ogre, franchement, il y a moyen qu'on le chope, mais il faut aller à une vitesse. Voilà, ouais, c'est ça. Sanctuaire d'invocation, tu casses le sanctuaire, tu invoques le machin. On se repose, on sauvegarde, on rush, on court. Il n'y a pas moyen. Oh! Oh là là, que se passe-t-il? Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable! Ouais. Ah, mais ils sont encore vivants? Bon bah. LOL. Bon bah si j'ai bien compris, ça s'est cassé. Il y a un truc qui sort.
C'est assez simple à comprendre. Du coup, par respect, je vais pas. Si je fais juste examiner. Alors, l'ancienne tache de sang, t'en prenais, pierre, même trace. Ouais, d'accord, si je force. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Énorme élémentaire de feu. Enfin, énorme. Résistant surtout. On va s'en faire 3-4. Oh, j'ai touché! Oh, le renversement, il a touché, c'était beau! Oh, c'est magnifique ce qui se passe. Est-ce que si je détruis tout, je gagne un truc? Bah, à part un peu d'XP, ce qui est bien. Par contre, repos. Le repos est de plus en plus long, j'ai l'impression. Il me semblait qu'au tout début, c'était plus rapide. Critique à 13 sur le caillou. C'est une blague. Ah bah, c'est bon, ça a touché. Et je prépare quand même la mienne. Ça touche! Oh, je suis heureux. Ah là là, je suis content que ça touche. Goûtez à ma colère! Goûtez à ma colère! Ah, raté le mien. Pour les Outgars! Ah, renversement qui touche. Oh, double renversement! Pas mal! Oh, puis il meurt. Oh, le nul. Ok, donc en fait, ça c'était juste pour un petit piège, hein. Petit piège bien sympathique. Là, je crois que. Ouais, il y avait un piège un peu nul. Pas se cacher que. Ça fait. Voilà. Bon, là, je l'ai vu le piège, tu m'auras pas. Donc, en fait, ça servait juste à rien. C'était juste. YOLO. YOLO Swag 2000. Ça je le prends, ça je le prends. Et bah il y a la salle là-bas. La sortie là, ça. Ah, je l'avais pas pris celui-là. Il manquait un coffre. Alors là-haut, des petites araignées. Je tiens d'ailleurs à passer le bonjour à nos amis arachnophobes qui, malgré ces araignées de type araignée, qui arrivent à, j'espère, combattre leur peur chaque jour. Alors par contre, aucune maladie, rien de... Ok, donc ça aussi ça servait à rien, c'est ça? C'est le message que t'essayes de me faire passer, le jeu? Aura joui un détail. Ah non. Donc en fait, cette salle m'a juste permis d'avoir un indice pour savoir comment battre le dragon. Bah écoutez, quelque part, je pense avoir une raison d'aller ici en premier. Non, c'était... Oui. Non, puis-je quoi que ce soit pour vous. Chut, ben là. On va retourner. Donc du coup, on va faire
On va retourner à la porte, à l'entrée est du domaine des géants de feu, des lames de feu. Donc, ce qui fait qu'on va descendre pour aller récupérer cette sphère et trouver un dragon mort. Alors, par contre, le dragon mort, si je suis obligé de sortir, de redescendre, de faire je ne sais pas combien d'allers-retours et de prendre celui, le grand dragon qui est mort là, je vais être triste dans mon cœur, dans mon petit kokoro. Et c'est pas gentil. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Putain, je suis en train de me perdre. À chaque fois, je suis en train de me perdre. Alors, c'est tout droit. Là, avance. C'est symbole m'intrigue quand même. Tout ce qui est écrit par terre, ça m'intrigue. Petite sauvegarde. Et donc du coup, on descend dans les sous-sols. C'est bien marrant. On voit bien l'image d'un escalier qui descend.